Avant de commencer cette vidéo, un petit message. On vous remercie pour les 500 abonnés. On attend bientôt d'être 1000. Un autre point, on vient d'ouvrir un compte Instagram L'Encyclope. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir du contenu supplémentaire. Et moi, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour camarades, je suis L'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la cour des miracles et en particulier de celle de Paris. Peut-être connaissez-vous ce rappel que les dieux de Paris ont choisi pour la guerre. Ce lieu est un tabernacle qu'on baptise la cour des miracles. Joyeux spectacle! Les boîtes dansent, où l'aveugle voit. Il existait plusieurs cours des miracles à Paris, mais nous allons parler de la plus connue. La cour des miracles était située dans l'actuel 2e arrondissement de Paris, et elle était délimitée par les actuelles rues des Forges et de Damiette. Elle a existé au XVIIe siècle. Il s'agissait d'un regroupement de tous les marginaux de la ville. Les prostituées, les handicapés, les mutilés, les bossus, les bandits et les mendiants. Ils vivaient en communauté et constituaient une véritable organisation. Ils faisaient partie de la corporation de l'argot, c'est-à-dire la corporation des gueux. Ils avaient des lois et même une langue. Un roi sera même élu et nommé le roi des thunes. Il commandait tous les mendiants de France. Chaque grande ville de province avait un cagou, c'est-à-dire un lieutenant du roi des thunes. La plupart étaient d'anciens étudiants. Leur rôle était d'enseigner l'argot aux nouveaux venus. Ils avaient en échange le privilège de ne pas payer d'impôts au roi des thunes. La cour des miracles était si dangereuse que les soldats de la ville, surnommés les lapins ferrés, n'osaient pas y rentrer. En 1630, sous le règne de Louis XIII, la ville a voulu créer une rue qui aurait traversé la cour des miracles. Les maçons furent tous assassinés et le projet fut abandonné. Le nom cour des miracles provient du fait que les mendiants, une fois qu'ils avaient parcouru la ville, perdaient leur infirmité dès qu'ils rentraient dans la cour. Les aveugles retrouvaient la vue, les paralysés retrouvaient l'usage de leurs membres et les boiteux ne boitaient plus. Comme par miracle. Tout était bon pour provoquer la compassion des passants. Les habitants de la cour des miracles étaient constitués en plusieurs catégories. Il y avait les narquois, des faux soldats qui simulaient des mutilations subies lors d'une guerre. Les ridolfés, fausses victimes d'incendie. Les malingreux, qui étaient des faux malades. Les francs-mitous, qui étaient non seulement des faux malades, mais qui en plus simulaient des crises d'épilepsie. Les piètres, qui étaient des faux estropiés. Les marfaux ou margeaux, qui étaient des proxénètes. Les mercandiers, qui étaient des faux marchands ruinés par les guerres ou par les accidents. Ils allaient généralement par deux. Les capons, qui devaient mendier dans les cabarets et les lieux publics, ils avaient aussi la charge de pousser les passants à jouer au jeu de leurs collègues escrocs. Les courtauds de Boutange, qui étaient des mendiants n'ayant le droit de mendier que pendant l'hiver. Les millards, qui étaient des voleurs à la tire de provisions. C'était eux qui étaient en charge de rapporter l'alimentation de la cour. Les orphelins, qui étaient de jeunes garçons chargés de paraître gelés et de trembler de froid, même en été. Les hubains, ils portaient sur eux un faux certificat attestant qu'ils avaient été guéris de la rage grâce à leur prière envers Saint-Hubert. Les prostituées, je ne vais pas vous expliquer leur rôle. Les coquillards, qui étaient les faux pèlerins arborant une coquille Saint-Jacques. Et enfin, le métier le plus important, les coupeurs de bourse. Et non, leur rôle n'était pas de couper les couilles des gens. On ne fait pas ce genre de choses. Les coupeurs de bourse avaient évidemment la tâche de voler les bourses pleines de pièces des passants. Mais on ne pouvait pas accéder facilement à ce statut. Il fallait auparavant passer plusieurs épreuves. L'une d'elles consistait à voler une personne dans la rue, à la vue de tous. Une fois que l'apprenti voleur se rapprochait de sa victime, les autres voleurs indiquaient à des passants qu'il était un voleur à la tire. Les passants, une fois le vol accompli, allaient l'injurier et le battre. Les autres voleurs en profitaient pour faire les poches de tous les passants venus regarder la bastonnade. Et ils repartaient avec notre nouveau coupeur de bourse. La cour des miracles fut détruite en 1667, sur ordre du lieutenant de police Nicolas de la Rémy. Elle se reconstitua brièvement au cours du XVIIIe siècle. Le lieu sera ensuite investi par les forgerons, d'où le nom rue de la Forge. C'était l'histoire de la cour des miracles. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner
et à partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. À la prochaine, camarades.